L'artiste Reginald Daniel révèle qu'elle a subi une opération, précisément à Dubaï. Cette information a fait jaillir beaucoup d'internautes sur les réseaux sociaux, pages d'information, médias en ligne et sites d'actualité. Celle qui ne se présente plus après sa rambeuse suite à son mariage avec Nidwoko, un milliardaire nigérian de 61 ans. Beaucoup de colère, beaucoup de jugements, d'autres ont entendu parler pour la première fois de Sugar Daddy. Certains même racontaient qu'elle avait épousé Nid seulement pour son argent. Puis cette affaire est passée et l'on n'entendait plus parler de la jeune actrice. Puis elle a refait surface avec un nouveau buzz qui va encore faire jaser la toile. Regina Daniel s'est faite opérer. Rappelons que la chirurgie est la partie de la thérapeutique qui implique des opérations internes ou des manœuvres externes sur les tissus, notamment par incision et suture. Un chirurgien est un professionnel de la santé habilité à pratiquer la chirurgie. Un acte médical pratiqué par un chirurgien est une opération chirurgicale. Et l'on a vu ces dernières années des stars comme Kim Kardashian passer sous les ciseaux de la chirurgie esthétique. Ce genre d'action mené par des stars de grande envergure a fortement influencé la plupart des célébrités féminines dans le monde entier qui voient à la chirurgie esthétique une nouvelle mode. Pour continuer, les dévancières de Regina Daniel dans l'industrie cinématographique nigériane sont aussi passées sous les ciseaux de la chirurgie esthétique. Beaucoup d'internautes ont suggéré que cette nouvelle mode est probablement ce qui a encouragé la jeune star à faire de la chirurgie esthétique. D'un autre côté, d'autres n'étaient pas d'accord avec ce qui se dit car Regina n'a pas révélé si son opération était esthétique ou non. Et oui, la star de cinéma n'a pas révélé pourquoi elle subissait une opération, ce qui porte à croire que tout ce baratin autour de ce buzz n'a nul lieu d'être. La star de cinéma a pris son Snapchat où elle a partagé une vidéo d'elle-même alors qu'elle était amenée au théâtre pour l'opération. Elle était accompagnée de son mari Nidwoko. Bonjour les gars, je vais me faire opérer. C'est mon mari à côté de moi. Rendez-vous à mon retour et souhaitez-moi bonne chance, a-t-elle déclaré. Encore, la nouvelle maman n'a pas révélé pourquoi elle subissait une opération. Nous souhaitons à la star de cinéma une opération toute en sécurité et en bon rétablissement, a mentionné ses fans. Avec ces affirmations, nous ne sommes pas sûrs qu'elle ait fait de la chirurgie esthétique. Ce pourrait être le cas ou non. Des semaines après la chirurgie à Dubaï de Regina Daniel, elle a partagé une photo alors qu'elle est à nouveau hospitalisée. Les Nigériens se sont tournés vers les réseaux sociaux pour souhaiter à l'actrice de Nollywood, Regina Daniel, un bon rétablissement. C'est après que la star ait partagé une photo de son poignet dans un épais bandage. Regina n'a pas révélé pourquoi son poignet est dans ce bandage et l'actrice a juste sous-titré son message avec un homme à terre. Des réactions mitigées ont suivi les posts de la belle actrice. Mais en la belle, bon rétablissement. Christiane Achizi. Oh non, elle sortira en bonne santé au nom de Jésus. Amen. Fancy Beauty Organique. Que Dieu soit avec toi, petite fille. King Diamond. Maintenant, elle n'a plus accès à l'argent, mais sa santé n'est pas très bonne. Juste papy. La richesse, c'est la santé. Fille Sable 344. Et guéris bientôt. La maladie n'est pas une blague. Tissu Mubu. L'enfant est hospitalisé. Maman va se marier. Rétablissez-vous, ma chère. Rédacteur en chef. Ni dans n'importe quoi. Vous cherchez des maladies de haut en bas. Fille douce potelée finit maigre parce qu'elle essaie de suivre son goût. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour ne plus jamais rater une vidéo. Allez, on se prend à bientôt pour une nouvelle vidéo. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play.